السلام عليكم. Alors, Ibn Hisham dit ensuite, ما يلحق بجمع المذكر السالم. Alors, il dit, ici, ce qui est similaire au pluriel masculin sa. Donc, les noms similaires, on a vu que pour le muthanna, le duel, on a vu la définition d'un nom similaire. Donc là, ça va être des mots qui vont se comporter comme le jam' mudhakkar salim, mais qui vont pas avoir sa caractéristique. Alors, on va voir quelles sont les caractéristiques du jam' mudhakkar salim. Ibn Hisham va les décrire. Et donc, c'est un chapitre qui rejoint le chapitre précédent des exceptions. Et on va voir que c'est des mots qui ont la même déclinaison que le jam' mudhakkar salim, dont je rappelle les caractéristiques. C'est que le jam' mudhakkar salim, c'est comme muslimoun. Il est marfou avec le waw et il est mansoub et majrour avec le ya. On dit muslimin, ja al muslimoun, wa ra'aytu al muslimin, wa marartu bi al muslimin. Ibn Hisham dit dans le résumé, thumma qultu wa ulhiqa bihi ulu wa alamuna wa araduna wa sinuna wa ishruna wa babuhuma wa ahluna. Nahu, c'est à son exemple. Alors, ça va être ces mots, il va les analyser un par un, ou bien ces groupes de mots. Alors, dans l'explication, Ibn Hisham nous dit il dit donc il y a des mots qui ont rejoint le jam' mudhakkar salim, qui sont similaires, certains mots. Il dit minha ulu, le mot ulu, wa laysa bi jam'. Il dit, ce n'est pas un mot pluriel. Wa innama huwa ismun jam'a. C'est un nom pluriel. C'est-à-dire, c'est comme groupe en français. Le mot groupe désigne plusieurs personnes ou bien plusieurs choses, mais c'est un mot singulier. Donc là, c'est similaire. Ulu, c'est un mot singulier, mais qui désigne quelque chose de pluriel. La wahida lahum min lafdihi. Il dit à partir de là, il n'y a pas un mot singulier qui vient de ce mot. Il dit il a un singulier, mais pas de la même structure. Il dit zou, c'est la même signification que ulu. Zou, ce serait là. C'est le mot équivalent, mais au singulier, ça c'est le mot équivalent, mais au pluriel. Zou, on avait vu dans l'Asma al-Khamsa, zou, qui voulait dire, par exemple, zou mal, c'est-à-dire un homme de science. Ulu, c'est pareil, mais c'est la signification au pluriel. Donc, il n'a pas du tout la même structure que Do. Donc, il ne vient pas de Do. Donc, c'est vraiment un nom singulier qui a une signification au pluriel. وَمِنْ شَوَاهِدِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَأْتَ لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. Et donc, il a cité ce verset parce qu'il contient Ulu. Et ce verset concerne ce verset de Sourate An-Nur qui est descendu sur Abu Bakr qui avait refusé de. Qui refusait de donner encore la zakat ou la faire des sadaqa à une personne de sa famille parce qu'il faisait partie des gens qui avaient calomnié sur sa fille. Donc là, on lui a reproché dans ce verset wala ya atali ulul fadli minkum. Ulul fadli, c'est Abu Bakr justement. Ulu, donc les gens privilégiés, donc les riches. Voilà, il y a tali ul fadl minkum wa sa'ati, ceux qui sont à l'aise, an yu'tu ulil qurba, qu'ils donnent, qu'il ne faut pas qu'ils refusent de donner aux proches. Alors il nous donne, Ibn Hisham, l'analyse de ce verset, il dit la nahiya, voilà, il y a tali la, elle a la signification de nahi, de l'interdiction. Il y a tali fi'lun mudari'un majzum bila nahiya. Ce lem, la nahia, elle rend le verbe qui est après majzoum. Majzoum, donc on a vu, c'était le quatrième état de l'arabe quatrième état de déclinaison qui concernait uniquement le fi'al, qui concernait uniquement le verbe. Donc, al-jazm, les orientalistes, ils donnent une traduction à al-jazm, qui est l'élision. Bon, c'est un mot qu'on n'utilise jamais en français, donc je ne vois pas beaucoup d'intérêt. Donc, on retiendra juste majzoum. Donc, le verbe, il peut être majzoum. Alors là wala ya'tali ulul fadl bila nahya wa alamat jazmi hasful ya. Alors on avait vu ça dans les types de déclinaisons.
que le verbe il était majzoum, la marque de jazm c'était hadfou al-ya. Donc là normalement il y a un ya, voilà ya atali, et ce ya il a disparu. Donc là, si on pose, alors là, voilà, il y a Atali, on pourrait se poser la question, où est-ce qu'il est, le ya, où est-ce qu'il est passé? Et justement, le ya, il a été supprimé parce que le fi'l, il est majzoum. Voilà. Donc le ya, c'est la marque de, la suppression du ya, c'est la marque de reconnaissance du jazm. Alors, il dit, wa ma'nahu, wa asluhu ya Atali, avec ce ya. Alors, Ya'atali, c'est le fait de jurer. Donc là, il nous donne une analyse, pas de grammaire, mais de structure, de sarf, de conjugaison. Il dit, Ya'atali, c'est le wazn, Yaftail, de l'aliyah, il dit, c'est l'yamin. Ya Atali, ça veut dire ne jurez pas. Aw min qawlihim ma alawtu juhda, ay ma qassartu. Je n'ai pas résigné sur l'effort. Wa ala al-awwali fa aslu an yu'tu ala an la yu'tu. Voilà, fa hudifat ala wa la. Donc là, il y a une négation supposée. En fait, si, par rapport au premier sens, le fait de ne pas jurer, parce qu'Abou Bakr, il avait a priori juré qu'il ne donnerait plus à son neveu, je crois, ou quelqu'un de sa famille, la sadaqa. Et du coup, la signification, c'est voilà, ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu. Alors, qu'il ne jure pas de donner, en fait, qu'il ne jure pas de ne pas donner. Voilà, c'est ça qu'il dit Ibn Hisham. Kama qala Allahu ta'ala yubayyinullahu lakum an tadillu. Comme similaire dans ce verset, Allah vous montre afin que vous égariez littéralement, c'est, mais la signification c'est an la tadillu. Ay an la tadillu. Afin que Allah vous montre afin que vous ne vous égariez pas. Wa ala thani fa asluhu fi an yu'tu. Donc là, qu'il ne résigne pas dans l'effort de donner. Donc là, il n'y a pas de négation supposée si on prend le deuxième sens de qassartu. Fahudifat fi khassatan. Wa quri'a wa la ya'ta'alla. Alors il dit, il y a une autre lecture. Alors il y a wa la ya'tali dans la lecture de Hafs, la lecture standard. Wa la ya'tali. Et voilà yata'alla, wa asluhu yata'alla. Il dit dans certaines lectures, on a voilà yata'alla, wa asluhu yata'alla avec le alif maqsur. Voilà, voilà yata'alla, voilà yata'alla. Wa huwa yata'fa'alu min al-aliyya. Alors, yafta'ila min al-aliyya, wa yata'fa'ala min al-aliyya. C'est juste que d'un point de vue sarf, d'un point de vue structure, cela, il repose sur des modèles de mots différents, ya'tali et ya'ta'alla. Bon. Wa ulu fa'ilun ya'tali. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'analyse grammaticale, justement. Il dit ulu fa'il. Alors, on a dit que le fa'il était marfou'a. C'est le fa'il de ya'ta'alla ou bien ya'tali. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Pourquoi? Pourquoi alamatu raf'i al-waw? Il dit pourquoi il est marfou avec le waw? Parce que il est mulhaq bi jam' al-mudhakkar salim. Il est similaire au jam' al-mudhakkar salim. Jam' al-mudhakkar salim comme muslimoun, il est marfou avec un waw. On dit ja al-muslimoun, on ne dit pas ja al-muslimin. Bah pareil là, on dit ja ulu, wa la ya'tali ulu. Ulu, il est fa'il marfou alamatu raf'i al-waw niyabatan 'an ad-damma li'annahu mulhaq bi jam' al-mudhakkar salim. Wa uli maf'ulun biyu'tu. Ah oui, alors là, vous voyez, alors en plus, ce verset il est vraiment intéressant parce qu'il est à Oulu, il est à deux fois. Et Ouli, pareil. Alors il dit, il est maf'oul de yu'tu. Un yu'tu, Ouli, qu'il donne, Ouli, il est maf'oul. Maf'oul bihi de yu'tu. Wa alamatu nasbihi il ya. Le maf'oul bihi, on a dit qu'il était mansoub, comme ja'a al-muslimina. Il est mansoub avec le ya. Et donc là, c'est pareil, il est mansoub avec le ya. Ya tali. Voilà, un yu'tu ouli. Il y a ulu, ouli.
Celui-là, il est marfou avec le waw, celui-là, il est mansoub avec le ya. Celui-là, il est marfou parce qu'il est fa'il, celui-là, il est mansoub parce qu'il est maf'oul bihi. Wa qala Allahu ta'ala, inna fi dhalika la dhikra li ulil albab. Il y a là un rappel pour les gens doués de science, les ulil albab. Fahada misalu al-majrour. Wadhanika misalan il est marfou al-mansoub. Alors là, il a donné un exemple de majrour avec ce verset. Ouli. Li ouli. Alors il est majrour, ce mot il est majrour avec le lam qui est là. Après il y a le ouli. Il est majrour. Alamatu jarrihi liya. Niyabatan anil kasra ni annahu. Mulhaq bi jam'i al-mudhakkar al-salim. Wa minha. Alamuna. Alors là il a pris un deuxième mot. On a vu oulo. Maintenant deuxième mot. Wa minha alamuna. Wa ishuruna. Alamuna les univers ou les mondes. Wa minha alamuna. وعشرون le mot 20 وبابه إلى التسعين c'est-à-dire tous les mots de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 وعشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون tous ces mots ils ont la même règle فإنها أسماء جموع أيضا لا واحدة لها من لفظها donc tout ça c'est des mots qui désignent des choses plurielles mais qui ne sont pas des mots à la structure plurielle, mais qui ont une structure singulière. Donc pareil, ils ont l'arabe de l'jama' al-mudhakkar al-salim. Donc ça, on ne va pas dire que c'est un jama' al-mudhakkar al-salim, on va dire que il est mulhaq bi jama' al-mudhakkar al-salim. Wa minha araduna, wa huwa bi fathih ra. Araduna. Avec le ra, il est maftouh. Araduna, les terres. Wa huwa jama' taksir, li mu'annathin la ya'qil. Il dit, là c'était des noms singuliers, ça, il dit c'est un nom, c'est un pluriel brisé. Donc vous voyez, c'est même pas un pluriel masculin, c'est un pluriel brisé. Le pluriel brisé, Jamal Taksir, il a l'arabe de, il a la déclinaison d'un nom singulier. Marfoua bil Dhamma, Mansoub bil Fatha, Majrour bil Kasra. Et donc ça, c'est un pluriel brisé. Huwa Jamal Taksir, li mu'annathin la ya'qil. Et ça, c'est une règle importante, c'est que celui-là, il sort, c'est un jam'u taksir, mais il est mulhaq bi jam'u al-mudhakkar al-salim, il est similaire au jam'u al-mudhakkar al-salim. Pour quelle raison? Parce que il désigne un féminin et pas un masculin. Et la ya'aqil, c'est-à-dire un féminin qui ne raisonne pas, c'est-à-dire c'est pas un être humain, féminin non-être humain, quoi, non-raisonnant. Et ça, c'est ce qui fait qu'on sort du jam'u al-mudhakkar al-salim. À l'ensemble du jam'u mudhakkar salim. Alors, premièrement, c'est pas un mudhakkar, c'est un mouannath. Deuxièmement, il n'est pas un. Alors là, il est jam'u. Deuxièmement, il désigne quelque chose qui ne résonne pas. Léanu mufradahu ardun sakinar ra. Donc, al-aradun, il a un singulier. Mais ce qu'il fait sortir de la catégorie pluriel masculin, c'est qu'il est. C'est qu'il est féminin, premièrement, et deuxièmement, c'est qu'il désigne quelque chose qui ne réfléchit pas. Ardun sakin ar-ra. Wal ard mu'annatha. Bidalili wa akharajati al-ardu athqalaha. Donc il dit, prend un verset du Coran qui montre que l'ard c'est un féminin, parce qu'on voit akharajati. Le verbe il est décliné au féminin, donc, du coup il porte la marque du féminin, donc l'ard c'est un féminin. وَهِيَ مِمَّا لَا يَعْقِلُ قَطْعًا Donc là, pas d'ambiguïté sur le fait que les terres, elles ne résonnent pas. وَإِنَّمَا حَقُّ هَذَا الْعَرَبِ Il dit pourquoi est-ce qu'on a cette déclinaison, la déclinaison du pluriel masculin أَيَ الَّذِي يَجْمَعُ بِالْوَاوُ وَالنُّونَ أَنْ يَكُونَ فِي جَمْعٍ تَصْحِيحٍ لِمُذَكَّرٍ عَاقِلٍ Il dit parce que cette déclinaison, le waw avec le waw pour le raf, le fatha pour le nasb, l'ia pour le. Le nasb el-jar, il dit c'est spécifique à fi jam'in tashihin, c'est un limudhakkar, c'est un pluriel, un masculin qui réfléchit. Taqulu hadhihi araduna, vous voyez comme hadhihi, hada, haoulai muslimuna, hadhihi araduna, hadhihi mubtada, wa araduna khabar, marfu' alamatu raf'ihi, al-waw, niyabatan ani dhamma liannahu, ملحق بجمع المذكر السالم ورأيت أراضينا ورأيت أراضين أرأي ورأيت فعل ماض
Et Aradin, maf'oulun bihi, mansoub, alamatu nasbiha liya, niabatan anil, niabatan anil fatha, li annahu mulhaq bi jam'i al-mudhakkar al-salim. Wa marartu bi aradina, aradina majrurun bilba, wa alamatu jarrihi liya, niabatan anil kasra, li annahu mulhaq bi jam'i al-mudhakkar al-salim. Donc ça, c'est trois exemples. Wafi al-hadith, dans le hadith, man ghasaba qid shibr min ardin tawiqahu min sab' aradin yawm al-qiyamah. Donc ça, c'est celui qui vole une terre, un tout petit morceau de terre, alors il rendra des comptes, où il sera écrasé avec cette terre, tawiqahu min sab' aradin, il sera écrasé avec cette terre au jour du jugement. Alors, le shahid dans le hadith, c'est Man ghasaba qiyada min ardin tuwiqahu sab'i aradin. Aradin. Oui. Aradin. Sab'i aradin. Il est majrour parce qu'il est modafun ilay. Et alamatu jarrihi, c'est l'ya et pas le kasra. Et pourquoi est-ce qu'on met l'ya comme le jam'a mudhakkar salim? Parce qu'il est. Il rejoint le jam'a mudhakkar salim. Wa rubbama sukkinat ar-ra fi ad-darura. Ki qawlihi fi at-tawil, bon sukkinat ar-ra. Alors, il va le dire ici dans le. C'est un cas, juste une. Dans certaines situations, les Arabes, ils vont dire plutôt. Laqad daljati al-ardun. Ils ne vont pas dire al-aradun. Comme aradin, ils vont dire ardun al-ardun. Ithqama min bani hadadin khatibun fawqa a'wadi min bari. Donc, dans ce vers de poésie, on voit al-ardun. C'est une autre. C'est probablement une autre façon de le dire en arabe. منها ومنها سنون وهو كأرضون. Alors سنون pareil rentre dans la même catégorie des noms qui sont ملحق بجمع المذكر السالم, ils rejoignent le جمع المذكر السالم, ils ont la même déclinaison, لأنه جمع سنة وسنة مفتوح الأول سنة سنون وسنون مكسور الأول وسنة مؤنث غير عاقل. Il dit ça, c'est bien un pluriel d'un nom singulier, mais déjà c'est pas un pluriel sain parce qu'il y a une transformation. On a passé d'une kasra ici à une fatha ici. Première chose. Deuxième chose, il est féminin, donc c'est pas un pluriel masculin. Troisième chose, il est pas aqil, sinon là c'est des années. Et ben il est pas aqil, donc c'est pareil. Il rentre pas dans la définition d'un pluriel masculin sain. En revanche, il a la même déclinaison que le pluriel masculin sain. Wa asluhu sanawun aw sanatun. بدليل قولهم في جمعه بالالف والتاء سنوات. Donc il dit à l'origine ce mot il a été simplifié, il vient de sanawun ou sanatun. La preuve, il dit qu'au pluriel on va dire sanawatun wa sanahat. وقولهم في اشتقاق الفعل منه سانحت وسانيت واصل سانيت وسانوت. Donc là il fait une analyse structurelle de l'origine du mot. فَقَلَبُ الْوَاوُ يَا حِينَ تَجَاوَزَتْ مُتَطَرِّفَةً ثَلَاثَةَ أَحْرُفٍ. Donc il y a des lettres qui ont été supprimées, ils donnent vraiment l'origine de sinoun, hein, qui vient de sanahun ou sanatun, sanahun. Alors, il dit وَمِنْ شَوَاهِدْ سِنِينَ. Donc parmi les exemples d'usage de sinin, ou bien le fait que ce soit sinin, قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ. Donc on le voit dans ce verset, sinina. Sinine. C'est un exemple d'usage de sana, de sinina. On voit qu'il est manso, il est mi'atin sinina. Alors il doit être mansoub. Alors il dit taqra'u mi'atun ala wajhain. Alors, ça, c'est, il ouvre une parenthèse, comme il est en train d'analyser ce verset, il nous donne une faïda, donc un bonus. Il dit, Tokra'u, dit donc, il y a deux lectures de mi'a. Donc, il y a la lecture de Hafs, mi'atin, sinina, et dans d'autres lectures, mi'ati, sinina. Munawwana, mi'atin, wa ghayru munawwana. Faman nawwanaha, fa sinina, badalun min thalath. Donc, celui qui a mis un tanwin. Alors, si, mi'a, c'est un badal, c'est un remplaçant de sinina.
Badalon min Salas. C'est un remplaçant de Salas. Donc, c'est comme je disais, ils sont restés dans leur grotte 3. C'est-à-dire 300. Miat Sinin. Ils sont restés dans leur grotte à 3. Ou, je veux dire, ou c'est-à-dire, ou Miatin Sinin. Ils sont restés dans leur grotte 3, et ils sont restés dans leur grotte 100 années. Fahiya Mansouba. Waliya Alamatun Nasb. Du coup, Mia, il est Mansoub. Non, alors c'est pas possible. Nawanaha. Faman Nawanaha Fasinina Badalun Min Salat. Ah non, Afwan. C'est pas Miatin, c'est celui qui Nawan Min, le Mia. Celui qui met un tanwin à mi'a. Alors si on dit que mi'a, il a un tanwin, ou dans la lecture de mi'a avec un tanwin, sinin, il est badal. Et le badal, c'est un remplaçant, il est toujours mansoub. C'est un badal de thalath. Donc c'est comme plutôt, je reprends parce que c'est un peu faux ce que j'ai dit. C'est walabithu, ils sont restés dans leur grotte. 300. Ou alors ils sont restés dans leur grotte des années, c'est-à-dire des années. Ils sont restés dans leur grotte 300, c'est-à-dire des années. Donc avec la lecture du Tanwin. Alors du coup, on se retrouve avec un badal. Donc le badal, il est mansoub toujours. Fahiya mansouba. Wal ya alamatun nasb. Al ya alamatun nasb. Il est mansoub avec le ya parce qu'il est mulhaq bi jam'i al mudhakkar salim. وليا علامة النصب قيل أو مجرورة أو مجرورة بدل من مئة أو مجرورة بدل من مئة وليا علامة الجر أو مجرورة بدل من مئة. Alors il dit ou alors c'est مجرور بدل من مئة وليا علامة الجر مئتين سنين. Alors, il dit ce sera un badal d'un jar. Alors, il dit par contre, fihi nadhar, li'anna al-badal ya'tabiru li sihhati ihlal mahall al-awwal ma'a baqa' al-ma'na. Il dit donc, il contredit un petit peu cet avis parce qu'il dit le badal, il impose ihlaluhu mahall al-awwal ma'a baqa' al-ma'na. Il dit, il impose de pouvoir remplacer complètement la chose qu'il a remplacée. En conservant la signification. Voilà où qu'il a thalatha sinina, l'artal al-ma'na kamatara. Voilà où qu'il a thalatha sinina. Il dit, si on, avec ce deuxième arabe qui est pas terrible de dire que lui, il est juste badal d'un jar, il dit, ça casse complètement le sens parce que ça voudrait dire qu'il serait resté 3 ans. Thalatha sinina, l'artal al-ma'na kamatara. Donc là, on perd complètement la signification. Ça voudrait dire qu'il serait resté dans la grotte 3 ans. Voilà, thalatha sinina. ثلاثة مئة ثلاثة سنين ومن لم ينونها فالسنين مضاف إليه. Et bien sûr, celui qui ne dit pas le tanwin, ثلاثة مئة سنين, du coup, مئة sans le tanwin, ça devient مضاف, et سنين, ça devient مضاف إليه. Et dans ce cas, du coup, il est majrour avec l'ia. فالسنين مضاف إليه, فهي مخفوضة, والياء علامة الخفض. الخفض, comme on a dit, c'est le jar, c'est la même signification. ولم تقع في القرآن مرفوعة ومثالها قول القائل. إذا في القرآن لا يوجد سنين أو على déclinaison de رفع. Il y a que نصب et جر même dans un des إعراب seulement. ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. Donc Ibn Hijam il est allé chercher un exemple de سنون مرفوع parce qu'il n'en trouvait pas dans le Coran. وَأَشَرْتُ بِقَوْلِ وَبَابُهُ. Donc avec ma parole وَبَابُهُ إِلَا أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ كَسِنِينَ فِي كَوْنِهِ جَمْعًا. Donc dans le résumé, il avait mis سِنِينَ وَبَابُهُ. Donc c'est سِنِينَ et tous ceux qui sont similaires à سِنِينَ. Alors il dit فِي كَوْنِهِ جَمْعًا. Donc tous ceux qui sont pluriels comme سِنِينَ, qui sont pluriels, voilà. لِثُلَاثِ, d'un ثُلَاثِ, d'un trilitaire, d'un mot à trois lettres. حُذِفَتْ لَامُهُ. Parce que il avait dit ici que Sinoun il venait de Sanoun,
de Sanaat, et donc là, son lam, il a été supprimé. La fin du mot, elle a été supprimée. Alors il dit, c'est Sinin Kekaouni, Jam'an li Sulati Hudifat Lamu, wa Uwida An Hahat Tonif. Alors cette règle, chez les grammairiens, elle est un petit peu compliquée, c'est que il y a tout un tas de mots, c'est les mots qui ont vraiment ces mêmes caractéristiques qui sont un peu compliqués à trouver, enfin, qui demandent vraiment de réfléchir. Alors il faut que ce soit un mot qui soit trilittère, qui a perdu son lème, donc sa troisième lettre, et qui est pluriel. Et que la suppression de sa troisième lettre, elle a entraîné le remplacement par un ha ou tanith avec un ha féminin. Donc voilà, tout un tas de règles qu'ils ont trouvées, je sais pas comment. Fa'innahu yu'rabu hadha li'arab. Il dit la même i'arab. Alors, avec l'exemple, c'est encore mieux. Il dit sana, vous voyez, qillah wa qilina. Le mot qilina, qui est très. Bah, l'usage est assez rare. Wa'izzatin wa'izina. Izin, par contre, il y a dans le Coran ici. Izina. Izin, il a le même arabe que sinina. Et qilina, pareil. De qilla, de peu. Izina, de izza, de l'honneur, de la force. Izina. Wa'idatin min idina. Wa'idatin wa'idina. Le mot idin, c'est pareil. Idin, il est. Il est aussi dans un verset du Coran. Aïdina. Aïdina, pareil, va être majrour mansoub, marfou avec le waw ou le ya. Qala Allahu ta'ala ani al-yamini wa ani al-shimali. Aïzina. Voilà, sur ce verset de Sourate al-Ma'arij, il y en a qui se posent la question. Ce mot Aïzina, bah, il est ani al-shimali. Ani al-yamini wa ani al-shimali. Aïzina. Bon, je suppose qu'il est majrour. Parce qu'il est tabi' les majrour, et il est majrour avec l'ia parce qu'il est mulhaq bi jam'u mudhakkar salim kasinina ay firaqan shatta. Alors là, il nous donne la signification de izin. Il dit c'est des groupes dispersés. An al-yamin wa an al-shimal izin. Ça, c'est assez intéressant. À droite et à gauche, des groupes dispersés. Li'anna kull firqatin ta'tazzi ila ghayri man ya'tazzi ilayhi al-firqatu al-ukhra. C'est pareil, c'est un élément de tafsir. Alors, donc, il dit, sur l'arabe de Izin, il y a deux possibilités. Il dit, soit c'est une sifa, c'est un descriptif de Shimal, et du coup, il est majrour avec l'ia. Il dit, soit il est mansoub, ala anna sifatun li muhti'ina, parce que juste avant, il y a le verset, muhti'ina muqni'i ru'usahum. Alors je crois que c'est ce verset, il faudra vérifier dans Sourate Al-Ma'arij. Bon, en tout cas, il est sifa de muhti'in bima'na musri'in et muhti'in, a priori il est mansoub. Wa intisabu muhti'in 'ala al-hal. Muhti'in, il est mansoub parce qu'il est hal. Donc al-hal, al-badal, c'est tout ça, c'est des raisons qui font que le nom il est mansoub. Donc muhti'in, il est mansoub, donc izin, il est mansoub parce qu'il est sifa descriptif de muhti'in. Wa qala Allahu ta'ala الذين جعلوا القرآن عضين. C'est bien parce que dans le Coran on a vraiment beaucoup d'exemples pour ce mot. فعضين مفعول ثاني لجعل منصوب بالياء. الذين جعلوا القرآن عضين. الذين جعلوا القرآن عضين. Pourquoi il dit c'est une صفة ثانية مفعول ثاني لجعل. Ah oui. Parce que جعل il fait partie de ces mots qui rendent منصوب deux mots. Donc, Ja'ala, il ramène sub le premier, qui est Qur'an, en l'occurrence, on voit avec le fatha. Et il ramène sub le deuxième mot aussi, qui le suit, qui est Idin. Il a deux maf'oul, en gros, Ja'ala. Yansibu maf'oulain, on dit. Alors, Ja'ala, il fait partie de ces quelques rares mots, qui sont, il y a peut-être un chapitre dédié à ça. Ils appellent ça souvent Af'alul Qulub. Ja'ala, القرآن عيدين دونك عيدين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهي جمع عيضة يدي سلبلوال دو عيضة واختلف فيها. Alors il dit sur la structure du mot عيضة comme سنة سنين عيضة عيدين, il dit ils ont une divergence sur la structure de l'origine du mot. Alors il y en a certains qui ont dit que ça vient de عضو من قوله
عضيته تعضية إذا فرقته. On dit, si tu l'as séparé, il dit soit ça vient de ce mot séparation. Qala Ru'bah, Ru'bah c'est un poète arabe assez célèbre. Wa laysa dinullahi bil mu'adda. Iza farraqtahu, si tu l'as séparé. Bima'na bil mufarraq. Ay ja'alu al-Qur'an a'da. C'est-à-dire, ils ont rendu le Coran séparé. Faqala ba'duhum sihr. Ah oui, ils se sont séparés sur. Ils se sont divisés sur leur description du Coran. Certains ont dit sihr, donc c'est une magie. Wa qala ba'duhum kahana. Donc sihr, c'est le mauvais sort. Kahana, c'est plutôt. C'est de la magie. Wa qala ba'duhum asatir al-awwalin, c'est des livres anciens. Wa qila asluha 'addatun min al-'adah. Donc 'addatun min. Adou, qui a séparé. Et autrement, il y en a d'autres qui ont dit que ça vient de Adahatun, min al-Adah, wa huwa al-Kadib. Al-Adah, c'est là le mensonge. Vous voyez la richesse de la langue arabe entre ce mot, Udwun, qui veut dire séparé, Addaytuhu ta'diyatan bil-Mu'adda, et celui-là, si j'avais retourné la page, voilà. De Adah avec le ha, Adah, wa huwa al-kadhib, c'est un mensonge, wa al-buhtan, wa fil hadith la ya'dah ba'dukum ba'dah, ba'dan. Donc ne mentez pas les uns les autres dans le hadith. Voilà pour le pour le mulhaq bi jam' mudhakkar salim. Donc c'était une petite aparté du pluriel masculin qui fait partie de ces exceptions qui ont un arabe particulier. Voilà, salam alaykoum.